Yes, salut à tous, c'est Steven Lucas. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, Panini revient, voilà. Ils avaient envie de revenir, donc c'est reparti avec les petits packs adrénaline. Voilà, premium, ici on a des premiums. Ici on a des packs normal, voilà. Donc je vais rester sur cette caméra qui est juste ici. Voilà, le petit micro qui est sympathique aussi. J'espère que vous m'entendez très bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le micro, le son est bien, si la vidéo est pas mal. Voilà, dites-moi un petit peu si vous voulez changer quelques trucs dans le décor, des trucs, voilà, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire, je vous y répondrai. Je sais pas si c'est français ce que je veux dire, mais voilà, vous m'avez compris. Donc c'est parti, on va tout de suite ouvrir donc un premium. Allez, un petit premium pour bien commencer la vidéo. On va mettre ça les autres de côté. Il y en a 1, 2, 3, 4. Ouais, il y en a 4 en tout. 5, pardon, 5. Alors on va ouvrir d'abord le petit premium. Hop, c'est parti les amis. J'espère que ça vous plaît d'ouvrir les paninis. Alors j'espère pas que la caméra est trop proche pour vous. La caméra qui est juste frontale, voilà. J'espère que ça va aller. Alors, est-ce que je vais ouvrir? Parce que vous savez très bien que les adrénalines, voilà, m'en font la fête à chaque fois. Tac, c'est bon, j'ai réussi à les ouvrir. Ouh là là, déjà, je crois qu'on a bien commencé avec, mesdames et messieurs, l'idole, monsieur Jérémy. Jérémy, comment? Blayak, hein, pas mal, plutôt pas mal, Blayak. Voilà, ensuite, un Niçois, on a qui ici? On a une édition limitée, mesdames et messieurs, avec Valentin et Céric. En édition limitée, regardez-moi ça, elle est magnifique, regardez. Et brille à moitié, on dirait une carte Pokémon, hein, carrément. Allez, alors maintenant on enchaîne avec un duo de choc Verratti et Rabiot des Parisiens, évidemment il en faut dans tous les paquets. On n'a pas encore une Nantais pour une fois. Attention, maintenant on arrive avec le top gardien, monsieur Régis Gürtner. Gürtner, le gardien de l'AC Amiens. Je crois que c'est AC Amiens qu'on dit, hein. Je crois, j'espère pas que je fais de la merde en disant ça. Donc c'est parti maintenant, on retourne le paquet là, et on a qui? On a Jérémy Toulalan, qui ralentit le jeu avec son nom de famille. Tout l'allant, maintenant on enchaîne avec Valentin Voisin du stade Malherbe de Caen. Un Nantais évidemment les amis, mettez un pouce rouge. Non je déconne, mettez un pouce bleu quand même. Mais regardez, encore un Nantais, excusez-moi pour monsieur le Nantais. Mais voilà, à chaque fois j'en ai un. Vu que je suis rennais, voilà, on sait le derby, voilà. Avec Felipe Pardo, c'est ça. Philippe Bardo. Ici on a qui? On a Isaac Mbessa de Montpellier. Et il y en a beaucoup dans ce paquet, hein. Ouais, elle est pas mal la carte, je sais pas si vous voyez, on voit des petits carrés. Il peut pas y avoir l'autofocus évidemment. Il y a des petits carrés sur la carte et quand tu touches. Faites pas attention à mon pouce, mais voilà. Je sais pas comment vous expliquer. Et là on a quoi? On a. C'est quoi ça? What? Grâce à cette carte, tu peux consolider ton équipe en ligne, plus de détails au dos, jouer avec tes amis, tes matchs, incroyable. Champion, excellent. Bah je vous la donne, voilà, celui qui la veut en ligne, voilà, je donne le code. Voilà, c'est pour vous, les amis. Et ici, on a qui? On a Pape Sané, du stade de Malherbe de Caen, ici. Voilà, le code aussi, voilà, je vais vous donner aussi le code de l'édition limitée, si vous voulez, de Valentin et Céric, pour les Niçois et ceux qui veulent jouer. Désolé si vous voyez pas très bien ma tête, mais j'ai l'impression que la caméra est trop... Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas grave, on va s'améliorer dans les autres vidéos. Alors, regardez, le code en ligne de... Voilà, l'autofocus, avec le soleil, c'est compliqué. Attendez, je sais ce que je vais faire, je vais zoomer là. Voilà! Impeccable, celui qui la veut, il fait un screen, évidemment. Alors, on enchaîne avec un paquet normal maintenant, on est déjà à combien de vidéos? À 4 minutes de vidéo. Bon, ça va, on peut faire une petite vidéo sympathique, les amis. Alors il va y avoir FIFA, je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo du pack opening sur FIFA 18, sur FIFA Ultimate Team. Je vais bientôt enchaîner d'autres vidéos sur ce jeu. Et je vais faire aussi un mode carrière, voilà. Donc les amis, je voulais en profiter pour vous dire si vous voulez ou pas que je fasse un mode carrière joueur ou manager, comme vous voulez. C'est vous qui allez choisir un petit peu en commentaire. Et vous allez mettre aussi le club avec lequel vous voulez que je commence cette carrière, voilà, tout simplement. Donc mettez un commentaire si ça vous intéresse ou pas. Moi, ça me ferait très plaisir. Donc si vous voulez aussi, vous pouvez rejoindre ma page Facebook et Twitter, Steven Humicel, pour plus en parler en détail. Voilà, alors Martin Braithwaite, le joueur de Toulouse. Ici nous avons Tristan Dingomé. Je vous rappelle aussi que les transferts n'ont pas été faits dans les adrénalines. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui ne jouent plus en Ligue 1 qui sont encore en Ligue 1 dans les cas. Alors Tristan Dingomé. Ici on a qui? Un joueur de Strasbourg, Jérémy Grimm. Valentin Pogba de l'AS Saint-Etienne, le frère de Paul Pogba évidemment. Il est moins fort. Ensuite nous avons qui? Nous avons deux joueurs. Ici on a... ici nous avons Tambien Mangani, mesdames et messieurs. Celle-là par contre, top gardien les amis, ancien Rennais, Benoît Costil, mais elle est trop stylée mon bonhomme.
Oh la vache! Elle est trop stylée, mes amis. Elle est en bordeaux, hein, c'est le cas de le dire. Couleur bordeaux à moitié, ouais, violet, ça va sur le violet quand même. Mais elle est magnifique. Et ben les amis, c'est ce que je vais faire. Je suis pour le Saint-Denis, mais bon, Benoît Cossé, c'est quand même un joueur qui a marqué le Saint-Denis. Voilà, numéro 407 ici. Voilà. Hop, et regardez, Benoît Cossé, je vais même zoomer sur lui. Oh la vache. Elle est magnifique. Et ben regardez, celle-ci, je vais la garder, je vais la mettre sur mon mur de ma chambre, j'en sais rien, je vais la mettre derrière en décor. Dites-moi aussi si vous voulez un décor sur l'armoire qui est juste derrière et tout ça. Dites-moi, vous aviez, voilà. Donc ouais, Benoît Cossé, franchement, c'est la carte, c'est the carte de cette ouverture, mes amis. Et on va ouvrir pour la peine un autre, allez, un autre carte normale, parce que là les amis, c'est truc de malade. Benoît Cossé qui tombe, c'est génial. J'aurais aimé aussi avoir un joueur du Saint-Denis, mais Cossé, c'est le summum. Même si je joue à Bordeaux, mon gars, c'est... C'est un truc de malade. Allez, on va ouvrir le deuxième paquet. Le troisième déjà. Troisième paquet, on déchire tout, c'est pas grave. Hop, on a un attaquant ici, mais on s'en fout, nous, ce qui nous intéresse, c'est le gardien. Paul Rollet du Saint-Malherbe de Caen. Il y a beaucoup de canets en ce moment. François Camano de Bordeaux. Ici, nous avons Jonathan Bamba d'Angers. Guesma Fofana de Damien, pardon. Ici, on a un défenseur en idole. Vincent Manceau et Aboubakar Camara, le joueur d'Amiens. Les amis, voilà, donc on va mettre ça de côté. Alors on a combien de vidéos? On a 7 minutes de vidéo, est-ce qu'on continue? Est-ce que vous voulez une longue vidéo ou pas? Il m'en reste deux. Il me reste deux paquets, un normal, un premium. Est-ce qu'on se les réserve pour une autre vidéo? Ou alors ce que je pourrais faire, c'est les ouvrir en vidéo sur FIFA si j'ai un bon joueur en pack. Comment je pourrais faire? Ou alors je vais garder le premium pour FIFA, parce que j'ai peut-être un petit truc à faire sur FIFA en fait. J'ai peut-être une idée. Donc on va garder le premium pour FIFA, parce que j'ai peut-être une petite idée. Alors, donc c'est parti, ici on enchaîne. Oula, ici j'ai vu, je crois qu'il y avait, il y avait du doré, regardez. Ah, hop là, on met ça de côté. Je crois qu'il y a du doré, on va retourner. Ici on a Monaco avec Jemerson. Elvis Schiri de Montpellier. Ici nous avons Cheick Mbeng de la Saint-Etienne. Adrien Nou, enfin un Rennais. Mais bon, c'est pas mon préféré. Mais bon, voilà, c'est toujours un Rennais de prix. Un Rennais de gagné. Voilà, il a combien de secondes? Il a 58, 60, okay. C'est la meilleure. Et défenseur, je pense que ça va être The Cart. Donc on va la mettre de côté pour l'instant. Et là, on a qui Jérémy Cordoval de l'Estac. De 3. Hein. Et ici, alors on va cacher un petit peu le joueur. Je vous le montre avant, je regarde pas, regardez, je regarde lenteur. Tac, 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 je la montre aussi ici si vous voulez. Tac, 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 ici. On va cacher le joueur, je regarde juste le club. Nice. C'est qui? Maxime Le Marchand. Ah, en super crack, ah non, en super sub, pardon. En super sub, et ben pas mal. Donc les amis, je vais vous mettre les cartes que j'ai kiffé dans cette ouverture. Nous avons ici, nous avons l'idole aussi ici. On a eu aussi, bon, on va mettre quand même les Parisiens, voilà, ils vont être contents. Et on va mettre aussi cette carte, elle est géniale. Regardez, franchement, les amis, je crois que j'en ai eu connu une autre idole. Voilà, j'ai encore une autre idole qu'on va mettre par-dessus les Parisiens, voilà, ils vont être contents. Et voilà, regardez, on a franchement, mais par contre, la carte qui gagne le pactole, c'est Benoît Cossé, les amis. Franchement, elle est magnifique. Franchement, je kiffe. Donc, il va rester un paquet premium. Ça va être voilà, j'ai un petit truc à faire pour FIFA 18. Une petite idée, je pense que vous allez, voilà, je pense que vous allez savoir ce que c'est par rapport au pack. Ça, c'est un pack, voilà, je vous laisse deviner. Il y aura des vidéos sur FIFA 18 qui vont arriver, il y aura des unboxings qui vont arriver de maillots, etc. Je vous en dis pas plus. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Simulsen, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, à partager autour de vous ma chaîne YouTube qui grandit de plus en plus avec vous. Et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.